Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Grand Méchant Book. Je suis Camélia de la médiathèque et je vais vous présenter un roman qui a attiré mon attention. Je ne vais pas affirmer qu'il fait partie de la grande littérature française, mais les passionnés de la Deuxième Guerre mondiale, dans la fiction, du roman policier, car il y a une enquête policière, les passionnés du suspense, mystère et les curieux vont trouver leur plaisir. L'auteur, Romain Sardou. Je ne le connaissais pas et je n'ai rien lu de lui. Mais ce qui m'a interpellée, c'était le titre. Fraulein Franz. C'est l'histoire d'une femme d'une beauté exquise, troublante, et qui, un jour, descend à Paris, ville occupée par les Allemands. Elle va loger dans une maison close, célèbre en ce moment, le Sphinx. Et c'est là que son prénom m'a intriguée, France. Elle demande à avoir comme client que des officiers allemands haut gradés. Dire que les Allemands aimaient tant dominer la France. France devient collabo, une grande collabo. Et on ne sait plus quel jeu elle joue. On se demande. Et sur une trame très bien construite, on découvre petit à petit que, en fait, tout est une vengeance cruelle, née d'une souffrance, terrible. Voilà, l'auteur a une plume bien documentée dans la vérité historique. On voit des images, tout cet ouvrage, de l'entrée des chars dans la France, le brouillard, on sent l'odeur de la fumée et on sent la peur, on sent la douceur des draps en soie, les parfums des femmes et encore les bruits des bottes militaires sur les pavés de Paris. Beaucoup, beaucoup d'imagination, beaucoup, beaucoup de suspense. C'est vraiment un roman à lire pour se rafraîchir pendant cet été ou avoir très, très chaud. À bientôt sur le Grand Méchant Book.